Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Eh bien, ça fait un petit peu plus de 2 semaines que le nouveau MacBook Air M2 est sorti. Eh bien, on va voir ensemble ce qu'il a de nouveau et ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti. J'ai acheté le modèle d'entrée de gamme qui dispose de la nouvelle puce M2 avec 8 CPU, 8 GPU, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1499 €. Et pour 350 € de plus, eh bien, on aura une configuration avec 8 CPU, 10 GPU, toujours 8 Go de RAM, mais avec 512 Go de stockage, le tout pour 1849 €. Alors moi, je l'ai choisi dans ce tout nouveau coloris qui s'appelle le bleu minuit. C'est un bleu très très foncé, mais aussi très très salissant pour le coup. Alors si vous avez les mains un peu grasses, les traces de doigts seront bien nombreuses, alors raison de plus pour se laver les mains un peu plus souvent et d'avoir une chiffonnette pour les maniaques un peu comme moi. Bon, alors pas besoin non plus de la chiffonnette d'Apple à 25 €. Une simple lingette pour nettoyer des lunettes suffira amplement. Bon, il s'avère tout de même que ce coloris est fragile. D'après les retours de la chaîne MaxTech, on voit au niveau des ports USB la peinture qui s'en va rien qu'en branchant quelques fois un câble USB. Alors attention, si vous choisissez ce bleu minuit, il faudra être très très soigneux. Ouais, moi je l'ai constaté aussi sur mon MacBook. Et j'ai aussi pu le voir sur les vidéos de JB de la chaîne The Eye Collection ou encore de la chaîne Mac Forever. Et bien sinon, on a les classiques gris stellaire et argent, et on a aussi un lumière stellaire qui est une couleur dorée qui fait moins bling bling que sur le MacBook Air M1. Eh bien moi, je trouve qu'il est un petit peu plus subtil et pour le coup, je le trouve un peu plus classe. Eh bien, vous aurez sans doute remarqué, ce tout nouveau MacBook Air M2 change de design par rapport au MacBook Air M1. Le design de l'ancien MacBook Air datait de 2018, que je trouvais fort sympathique avec son châssis incliné tout en finesse pour un meilleur confort lorsqu'on tape du texte. Là, le nouveau MacBook Air reprend le tout nouveau design inauguré par les MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais qui a été aminci, Air oblige. Il fait 1,13 cm d'épaisseur pour 1,24 kg. Et c'est vraiment impressionnant quand on dispose du MacBook Pro 14 pouces qui fait 1,55 cm d'épaisseur pour 1,6 kg. Et là, on ressent vraiment la légèreté et la finesse du tout nouveau MacBook Air. Eh bien, je trouve que ce nouveau MacBook Air est très pratique de ce côté-là. Quand on le met dans un sac à dos, on ressent à peine son poids. En termes de connectivité, c'est comme sur le MacBook Air M1. Sur le côté droit, on retrouve le port jack. Sur le côté gauche, on retrouvera 2 ports USB-C Thunderbolt, compatibles USB 4 et Thunderbolt 3. Et le nouveau port MagSafe pour la recharge. Sur le précédent MacBook Air, eh bien, un des 2 ports était condamné pour la recharge, ce qui ne sera plus le cas sur le nouveau MacBook Air. En parlant de recharge et de MagSafe, eh bien, il est fourni avec un câble USB-C MagSafe assorti à la couleur du MacBook. Eh bien, moi, je trouve ça vraiment très sympa qu'Apple soit allé jusqu'à ce petit détail qui fait vraiment toute la différence, comme sur le dernier iMac. Par contre, le chargeur fourni avec le modèle de base a une puissance de 30 watts. En option, pour 20 €, on pourra avoir le chargeur de 67 watts qui pourra recharger le MacBook de 0 à 50% en 30 minutes. On aura aussi la possibilité de choisir pour 20 € aussi un chargeur avec 2 ports USB-C d'une puissance de 30 watts, eh bien, ce qui nous permettra de recharger 2 appareils en même temps. Alors comme j'ai le MacBook Pro 14 pouces, eh bien, j'ai le chargeur de 67 watts, eh bien, j'ai pu recharger le MacBook Air en 1 heure, alors qu'avec le chargeur de 30 watts, eh bien, on rechargera le MacBook Air en un peu plus de 2 heures. Si vous souhaitez un chargeur de 65 watts, Anker en a un très bon à son catalogue. Il est plus compact et beaucoup moins cher que celui d'Apple. Eh bien, je vous mets tout ça en description de la vidéo. Eh bien, quand on ouvre le nouveau MacBook Air, on n'est pas dépaysé. On retrouve le grand trackpad Force Touch et Multitouch, le clavier Magic pour les Français ou alors le Magic Keyboard pour les anglophones, que je trouve vraiment très confortable à l'usage pour de longues sessions dactylographiques. On retrouve aussi le bouton Touch ID en haut à droite qui servira à déverrouiller son Mac, mais aussi à faire ses achats grâce à Apple Pay. Ce bouton servira aussi à verrouiller son Mac ou alors à l'allumer. Le tout nouveau MacBook Air M2 reprend les codes du design des MacBook Pro 14 et 16 pouces jusqu'à l'écran. L'écran mesure 13,6 pouces au lieu de 13,3 sur le précédent MacBook Air et vous aurez remarqué qu'il a aussi une encoche. Bon, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette encoche ? Eh bien, il y a juste une caméra qui peut maintenant filmer en 1080p alors qu'auparavant sur le MacBook Air M1 on pouvait filmer que jusqu'en 720p. Eh bien, grâce à la puce M2 et à l'algorithme de traitement d'image, eh bien, moi je trouve que la qualité d'image est plutôt pas mal, alors que je suis dans une pièce où c'est un peu sombre. J'ai baissé les volets parce qu'il va faire un petit peu chaud cet après-midi. Mais alors, en s'éclairant avec rien qu'avec son iPhone, eh bien, moi je trouve que la qualité d'image est plutôt pas mal quand on va devoir faire des réunions sur Skype ou sur Zoom. Et d'ailleurs, le son
et aussi enregistré via les micros du MacBook Air. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. L'écran est compatible True Tone et aussi avec la gamme de couleurs DCI-P3. L'écran a un rétroéclairage de type IPS, et bien c'est-à-dire que c'est toute la dalle qui sera rétroéclairée, donc l'encoche sera un petit peu visible lorsque vous regarderez des vidéos dans des scènes un petit peu sombres. Et justement à cause de ce type de rétroéclairage, et bien justement dans les scènes sombres, et bien vous verrez que ce ne sera pas totalement noir, mais qu'on aura un petit voile terne en fait. Mais ça reste un très bon écran, Liquid Retina, il est lumineux, il peut monter jusqu'à 500 nits, alors que le précédent MacBook Air pouvait monter jusqu'à 400 nits. Et pour finir sur la partie écran, eh bien sachez que vous pourrez le connecter à un seul écran externe qui peut monter jusqu'à une résolution de 6K, comme les derniers écrans de chez Apple, les XDR Display. Au niveau du son, les haut-parleurs étaient disposés de part et d'autre du clavier sur le MacBook Air M1. Eh bien, ce n'est plus le cas. Les haut-parleurs sont disposés sous le clavier. Le son est projeté vers l'écran via les petites ouvertures à gauche et à droite, près des charnières. Allez, je vous donne un petit aperçu. Bon, et sinon, vous êtes toujours plus de 94% à regarder mes vidéos sans être abonné. Et en plus de ça, je me fais larguer par Armel et Xavier. Donc, abonnez-vous afin que je les rattrape. Allez, on s'abonne et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et bien, sur ce, je vous dis prenez soin de vous, passez d'excellentes vacances et je vous dis à très bientôt. Allez, salut! Bon, bien, je trouve que le son est plutôt pas mal, le son est assez détaillé et clair. Par contre, ça manque un tout petit peu de basse. Et c'est aussi un petit peu moins chaleureux que sur le MacBook Pro 14 pouces que j'ai. Bon, bah, lui, par contre, il a, comme son châssis est un peu plus gros et que le MacBook Air est un peu plus fin, bah, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que ce qui se fait sur les PC portables. Apple annonce une autonomie jusqu'à 18 heures. Eh bien, moi, j'ai observé une autonomie très solide de plus de 10 heures en faisant de la bureautique, un peu de navigation sur Internet et en regardant des vidéos sur YouTube. Après 8 heures d'activité, eh bien, il me restait encore 34% de batterie. Eh bien, le MacBook Air tiendra largement la journée loin d'une prise. Eh bien, sachez que si vous êtes en vadrouille et que vous êtes à court de batterie, vous pourrez le recharger avec une batterie externe via les ports USB-C. Eh bien, pour ma part, j'ai une batterie Rave Power qui peut recharger le MacBook Air avec une puissance de 30 watts. Eh bien, ça s'avère très pratique quand on ne dispose pas de prise ou qu'on a oublié son chargeur. Bon, alors ce processeur M2, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Eh bien, par rapport au processeur M1, il a 25% de transistors en plus. La bande passante mémoire est doublée. Il est gravé en 5 nanomètres et la fréquence des CPU a été augmentée jusqu'à 3,5 GHz. Il peut aussi maintenant être accompagné jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée et Apple nous annonce 18% de performance supplémentaire au niveau du CPU et jusqu'à 35% de performance supplémentaire au niveau du GPU. Et c'est justement au niveau des performances qu'il y a des choses à dire. Allez, on va voir ça ensemble. Donc déjà pour situer les performances, le M2 est entre le M1 et le M1 Pro. Donc voyons voir les résultats du benchmark sur Geekbench. Et donc en multicœur, le M1 se positionne avec 7533 points, quand le M2, eh bien lui, se positionne avec 8738 points. Donc là, on a 16% de performance en plus par rapport au M1. Sachant que le M1 Pro, lui, a 9895 points. Pour la partie graphique, on obtient un score de 26147 points, quand le M1, lui, tourne aux alentours des 20 000, 21 000 points. Donc là, on a aussi aux alentours de 30% de performance en plus, avec 8 GPU par rapport au processeur M1. Allez, on passe à Cinebench R23, qui, lui, se focalise plus sur les performances CPU. Et là, ça va devenir très, très intéressant. Donc voici les résultats. Le M1, lui, a 7261 points. Pour le M2, eh bien, j'obtiens au premier lancement un très joli score de 8637 points. Alors, pourquoi je dis premier lancement? Eh bien, comme il n'a pas de système de refroidissement, eh bien, je me suis dit que je vais lancer plusieurs fois le test pour voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Eh bien, donc, j'ai enchaîné avec un deuxième tour, on obtient un score de 8498 points. Au troisième tour, on obtient 8330 points. Par contre, là, au quatrième tour, ça baisse. On a 8274 points.
Au cinquième tour, ça baisse encore, on a 8156 points. Et au sixième tour, c'est là que ça baisse, en dessous des 8000 points. Et on a un score de 7948 points. Bon, après cette série de tests, eh bien, j'ai laissé refroidir le MacBook Air. Et par curiosité, j'ai voulu lancer le test de 10 minutes. Et bien là, on voit au fur et à mesure que la puissance, la fréquence des cœurs haute performance diminue. La température se maintient autour des 105 degrés jusqu'au cinquième tour. C'est aux alentours de 8 minutes 35 au sixième tour que là, ça s'écroule vraiment. Et là, on voit que la température passe en dessous des 90 degrés. Et on obtient un score de 7752 points au bout de ce test de 10 minutes. Et bien là, on voit qu'on perd quasiment 1000 points par rapport au premier lancement à froid. Bon là, je me dis, bon bah allez, pour le fun, on enchaîne un deuxième test de 10 minutes pour voir ce que ça donne, jusqu'où peut aller le M2. Et bien là, c'est la descente vers les abysses. À la fin des 20 minutes de test Cinebench, on obtient donc un score de 6813 points. La fréquence des cœurs haute performance descend en dessous de la fréquence des cœurs basse consommation. Et la puissance passe sous les 10 watts, la température passe aux alentours des 82 degrés de moyenne. Alors imaginez le CPU et le GPU fonctionnant de concert à fond, et bien là les performances vont littéralement s'écrouler en un rien de temps. Donc attention, si vous avez l'intention de jouer à des jeux AAA de type Shadow of the Tomb Raider ou alors WoW, eh bien, je pense que l'expérience ne vaudra vraiment pas le coup du tout. Par contre, des jeux un petit peu plus casual sur l'Apple Store ou encore sur Apple Arcade, voire même du rétro gaming, eh bien là, le MacBook Air va s'en sortir vraiment facilement. Eh bien, dans le cas du rétro gaming, j'ai observé que c'était les cœurs basse consommation qui fonctionnaient. Donc là, aucun problème de surchauffe. Si vous tenez absolument à faire du gaming sur votre MacBook, eh bien, moi, je vous recommanderais de passer par le cloud gaming. Mais alors attention, il va falloir une très bonne connexion. Un abonnement de type fibre sera préférable. Et bien pour cela, je vous invite à voir l'excellente vidéo de la chaîne NowTech qui vous explique ça très bien de long en large et en travers. Alors n'hésitez pas. Alors par contre, le MacBook Air M2 est un champion de la navigation web. J'obtiens un score excellent de 394 tours par minute comparé aux 256 tours par minute du M1 Pro de mon MacBook Pro 14 pouces. Et bien il y a aussi des choses à dire au niveau des performances du SSD. Et donc, dans le pire scénario, avec un transfert de fichiers de 16 Go et plus, eh bien, j'obtiens un score de 1463 mégaoctets par seconde en écriture et 1273 mégaoctets par seconde en lecture. Eh bien, ça, c'est à cause de la présence d'une seule puce de 256 Go sur le modèle d'entrée de gamme, alors qu'avant, on avait deux puces de 128 Go sur le modèle d'entrée de gamme. Mais si vous faites des transferts de fichiers de moins de 2 Go, eh bien, là, ça ira, on a de bonnes performances. Bon bien, je trouve un petit peu dommage que les performances du SSD soient réduites, parce que là, ça limite encore la puissance du M2. Alors, dernier test qui concerne l'export de ma dernière vidéo de 24 minutes sur DaVinci Resolve. L'export se fait en un petit peu plus de 15 minutes sur mon MacBook Pro 14 pouces, quand sur le MacBook Air M2, eh bien, l'export se fait en un petit peu plus de 21 minutes. En termes de connexion sans fil, eh bien, le MacBook Air est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. J'ai observé de très bonnes performances en Wi-Fi 6 avec plus de 800 Mbps par seconde sur ma connexion fibre à 1 Gbps par seconde. Bon, pour récapituler les petits plus, moi ce que j'ai aimé, c'est le nouveau design avec le port MagSafe, la finesse, la légèreté, le silence et l'autonomie, le câble MagSafe assorti à la couleur du MacBook, la webcam qui peut maintenant filmer à 1080p. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le bon son qu'on a sur ce MacBook Air, qui est beaucoup mieux que sur les PC portables. Et la puce M2 avec des performances globales qui sont assez bonnes. Et bien dans les mois justement, il y a les performances M2 là sur une plus longue durée, les performances du SSD en retrait sur la version 256 Go, et le coloris minuit qui est pour lui qui demande à être très 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 soigneux. Bon, et bien à qui s'adresse ce nouveau MacBook Air M2? Bon, et bien on vient de le voir, ce nouveau MacBook Air M2 ne se destinera pas aux personnes qui ont besoin tout le temps de puissance. Ceux qui auraient besoin de puissance pour faire des rendus 3D ou du montage vidéo avec des effets 3D, non, ce ne sera pas pour vous.
Il y a les MacBook Pro pour cela, et bien même le MacBook Pro 13 pouces qui garde l'ancien design. Bon, ça n'en fait pas une mauvaise machine pour autant. Ce MacBook Air M2 est un très très bon sprinter, si vous voyez ce que je veux dire, mais il a juste le souffle un petit peu court. Et bien, il se destinera surtout au grand public, aux étudiants qui auront le budget. Il s'adressera aussi aux personnes recherchant de la légèreté, de la finesse, avec une excellente autonomie, à ceux qui veulent être à la mode et qui auront besoin de puissance de manière très occasionnelle pour faire de la retouche photo et un petit peu de montage vidéo. Là oui, il n'y aura pas de problème. Bon, si vous souhaitez vraiment ce MacBook Air M2, eh bien moi je vous recommanderais tout de même de prendre la version avec 512 Go de stockage. Là, on exploitera un tout petit peu mieux les ressources du processeur M2. Bon, alors ça nous amène tout de même à un tarif de 1 729 €. Bon, ça pique un peu au niveau tarif, mais il faut savoir que les MacBooks sont des machines très bien construites, avec d'excellentes performances, même sur batterie, alors que les PC portables, eh bien, pour exploiter tout leur potentiel, il faut qu'ils soient branchés sur secteur, et avec le lot de décibels qui va avec. Eh bien, sachez aussi que ce MacBook Air M2 est plus puissant que le MacBook Pro 16 pouces avec le processeur Intel Core i9, sorti il y a 3 ans, pour quasiment le double du prix. Eh bien, si vous avez un budget un petit peu plus serré, eh bien, moi, je vous recommanderais tout de même le MacBook Air M1, qui, selon moi, a toujours le meilleur rapport performance-équipement-prix. Surtout si vous le trouvez à moins de 1 000 €, ce qui peut arriver, au lieu de 1 129 € en prix neuf. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas, pour me soutenir, à me mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire et surtout, 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 à vous abonner. Ça m'aidera à avoir plus de crédibilité dans le milieu. Et bien, sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances. Reposez-vous bien. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut !